depuis quelques mois déjà. Et pourtant, c'est toujours d'actualité. Sourire, vous êtes filmé immédiatement. Tout à l'heure, peut-être, vous passez à la télé, c'est déjà parti. Voici le titre qui a fait danser la France et qui va encore nous faire danser ces prochaines semaines. Allez, le numéro 1 des numéros 1 partout dans les clubs en Europe. Voici The Beach of Beats avec Miss Bay. Bleu dans notre émission Bidon Bleu sur les discothèques. Alors j'ai Patrick Devito, c'est ça Devito, ouais. Okay. Et c'est vous qui vous occupez de la discothèque? C'est moi qui essaye, c'est pas un métier facile, mais on est tous les jours dans la joie, la bonne humeur, et puis ça se passe bien avec un public très généreux. Alors le Grand Bleu, pouvez-vous nous présenter le Grand Bleu? Alors le Grand Bleu, c'est une discothèque généraliste dans l'ensemble, puisqu'on a un public très hétéroclite, comme on dit, de 16 à 77 ans. Il y a des soirées qui sont un peu plus pointues, mais toujours le maître mot, l'ambiance. L'ambiance, une grande ambiance, avec un public, encore une fois, qui est formidable. Sur Alkirch, je crois que c'est la seule boîte de nuit. Sur Alkirch, on est tout seul. Je dirais qu'il y a 70% quand même de clientèle mulhousienne qui font quand même le déplacement jusqu'ici. Et je dirais, c'est ce que je dis toujours, quand on fait une soirée, il faut un bon chef d'orchestre et il faut des bons musiciens. Lorsqu'ils sont bons, je suis mauvais, c'est pas bien. Lorsque je suis bon et eux mauvais, c'est pas bien. Il y a des soirs où on s'entend bien tous les deux et puis ça fait des grandes soirées comme celle-ci par exemple. Le Grand Bleu, ça se trouve à peu près à 30 km du pays de Montbéliard. Vous avez beaucoup de monde du pays de Montbéliard? Il y en a certains et on en relève tous les samedis. Il y en a quand même une dizaine qui font le trajet, c'est quand même très sympathique. On va les saluer d'ailleurs tout à l'heure. Pour le nouvel an, qu'est-ce que vous prévoyez comme ambiance? Explosive comme chaque année. L'année dernière, on avait plus de 600 personnes. Cette année, on va faire encore un effort au niveau du prix. On va décider des prix, pas pour gagner de l'argent comme l'année dernière, c'est pour remplir la boîte, qu'on fasse une grosse fête et que ce soit extraordinaire. Voilà, merci. Monsieur Gabriel Keller, c'est vous qui êtes le patron de cette discothèque? Oui, depuis relativement peu, puisqu'on a repris cette discothèque il y a 3 semaines. Mais elle existe depuis déjà un certain temps, non? Oui, tout à fait. C'est une discothèque qui a été créée il y a 4 ans par Rino Rivers, Rino Lombardi, qui est un musicien connu dans la région et qui vient d'arrêter parce qu'en fait, il a un contrat qui l'envoie un peu partout dans le monde. Donc, il arrête et on a pris la suite. Alors, une discothèque comme celle-ci, je crois que c'est la seule qui est sur Alkirch. Tout à fait. Oui, on est la seule discothèque, disons, à 20 km à la ronde, nous exclut. Bon, on peut dire que c'est aussi une entreprise, ça représente combien d'employés? Pardon, on a 7 employés. 7 employés qui travaillent le vendredi, samedi. Et on pense ouvrir prochainement le dimanche. Pour la Saint-Sylvestre, je pense comme toutes les discothèques, vous organisez quelque chose, vous pouvez nous en parler? Oui. On a pour la Saint-Sylvestre une entrée à 170 francs avec 2 consommations et bien sûr une ambiance cotillon. Il y a des petits amuse-gueules et voilà, on fête le réveillon jusqu'à l'aube. Dans les grandes villes en général, on sent la crise. Est-ce qu'au niveau des discothèques et en particulier les grandes villes, est-ce que vous sentez la crise? Écoutez, j'ai honte de dire qu'on ne la sent pas trop. Non, on a senti un peu la crise cet été, et là, depuis la rentrée, ça marche bien, ça marche fort. Il y a un bon démarrage, je crois que c'est une façon d'oublier la crise. Oui. Oui, je crois que ce qui se passe aussi, c'est que les gens, je crois, essayent d'oublier un peu la crise, et que je pense que les discothèques, et le Grand Bleu en tous les cas, permettent aux gens un petit peu de laisser leurs soucis au vestiaire. Bah, je vous remercie beaucoup.